Qu'est-ce qui est important dans la vie? D'abord la vie elle-même. Peut-on appeler cela la paix? Notre vie n'est pas séparée du monde, à l'écart du monde certes, mais en plein dans cette réalité que vivent les hommes d'aujourd'hui. Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à la question de la souffrance et un bonheur qu'on espère aussi. Se donner au fond sa chambre notre vie. Ah, c'est fini. C'est fini. Mais là, c'est bien, non, c'est bon. Et puis, on a commis des bêtises, un nombre incalculable, au cours de la vie, et voilà qu'on devient indulgent pour les bêtises des autres. Dieu pardonne, les autres pardonnent, on se pardonne soi-même, c'est parfois le plus difficile. Un obstacle à la joie, c'est d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Mais j'ai aussi parfois l'impression que le temps m'échappe. Et c'est très difficile à vivre. Comment est-ce que je peux rendre service à la planète Terre? Comment est-ce que je peux mettre de goût à la vie qui m'est donnée? Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes partagent avec nous une réflexion sur les questions essentielles de nos vies communes et nous disent qu'un vivre ensemble dans le monde est possible.